Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Bienvenue à cette nouvelle capsule équipement. Je suis toujours accompagné de notre spécialiste, Éric Dupont. Cette semaine, Éric, on va entamer la première d'une série de trois capsules sur l'équipement de gardien de but. Évidemment, la tendance cette saison, on semble avoir réduit un peu la taille de l'équipement. Exactement. Comparé à une couple d'années, l'équipement a beaucoup réduit cette année, mais les gardiens ont aussi des techniques beaucoup meilleures. Ils sont beaucoup plus rapides sur la patinoire. Et lorsque tu regardes les tendances dans la Ligue nationale cette année, plus de buts marqués, semble-t-il. Pour certains gardiens, les statistiques en souffrent également. Est-ce que tu penses que ça peut être attribué à la grandeur ou la grosseur de l'équipe? C'est difficile à dire, mais il y a sûrement un effet que les gardiens de début de saison ont ressenti par rapport au changement de taille de leur équipement cette année. Mais ils sont tellement bons, tellement bien entraînés que à ce temps-ci de l'année, ils devraient être corrects et savoir adapter à l'équipement. Chose certaine, si le gardien veut bien performer, il faut absolument qu'il soit confortable dans son équipement. Première jambière que tu veux me présenter, c'est une CCM. Exact. C'est la première 2 Pro de CCM. A été redessinée pour être 20 % plus légère et a été conçue pour la performance, ce qui lui permet de dominer la zone du gardien. L'arme double densité élimine le poids superflu, tout en améliorant la résistance à la torsion pour maximiser la couverture et la stabilité. Finalement, le logement de la jambe redessinée optimise la rotation et permet de passer plus rapidement en position papillon et de se relever. On s'entend, Éric, que la technologie chez CCM est vraiment impressionnante, mais on peut en dire autant du côté de Bauer. Exact, avec la Bauer Supreme 2S Pro, qui comprennent la nouvelle technologie Cortec ST Skin et qui améliore le glissement pour plus de durabilité et une accélération des rebonds. De plus, le noyau Power Light est plus durable et permet de sceller les ouvertures mieux que jamais auparavant. D'ailleurs, cette technologie Power Light permet de se déplacer plus rapidement, de toujours bien coller à la glace tout en préservant la forme. Finalement, les jambières suprêmes sont munies d'un pli unique sous le genou avec une botte rigide et elles sont fusionnées pour les gardiens aimant les mouvements précis et techniques. Ça fait le tour des jambières pour cette semaine, Éric. Il y a une autre pièce d'équipement qu'il ne faut certainement pas négliger, surtout avec la vélocité des tirs aujourd'hui, c'est les épaulières. Exact. On parle du plastron Warrior Rituel G4 Pro avec protecteur pour biceps et avant-bras en hypercomp. Il comprend aussi les technologies Shock Shield et Axi Flex, ainsi que des protecteurs d'épaule de forme carrée, favorisant un meilleur contrôle des retours. Toujours parmi ses principales caractéristiques, on y retrouve un système d'ajustement latéral à velcro, des protecteurs latéraux ajustables amovibles, des longueurs de bras ajustables avec lassage et une protection dorsale ajustable. À la lumière de ça, Éric, il n'y a pas de doute pour moi que les gardiens seront bien équipés et prêts à faire face aux meilleurs tirs adverses. Maintenant, avant d'aller de quelques conseils de sélection, est-ce que tu as des spécifications à nous donner? Oui, bien c'est important de savoir qu'on a présenté les jambières, mais on a aussi les mitaines, les bloqueurs en magasin, puis tout l'équipement complet pour les gardiens. Mais aussi que l'équipement haut de gamme est disponible sur commande, sur mesure, qui peut être personnalisé à ses goûts, couleurs, grandeurs. On peut même écrire son nom sur certains modèles. Et lorsqu'on va venir en magasin choisir notre équipement, quels sont les critères de sélection importants à retenir? C'est très important de prendre bien le temps de choisir son équipement de gardien selon la grandeur, le style de jeu et puis le calibre de jeu que tu évolues. Excellent. Merci beaucoup. Ça fait le tour pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on vous revient avec la deuxième capsule d'une série de 3 sur les gardiens de but. On va parler de patins.